Mais bon. Bah, c'est mieux comme ça. Je sais même pas. Ah ouais. Non, vas-y, viens, on garde le sérieux et viens, on fait une introduction. NHB Team, bonjour. Hello. C'était l'intro la plus rincée de ma chaîne. Recommence, tu... Ah non, c'est dans la boîte, c'est mort. On garde. NHB Team, bonjour. Tu sais, il y a un dicton qui dit que tant que tu es en vie, la partie n'est pas terminée. Je viens de l'inventer, je trouve que ça pète sa mère. Aujourd'hui, je suis avec Valentina Alpha. Valentina, comment ça va? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est venu parler de TCA et un petit peu plus précisément de la boulimie par laquelle je suis passée. On est venu parler de ton parcours aussi. Général. Donc en fait, comme tu le sais, le concept que j'essaie de mettre en avant sur ma chaîne, c'est que tu me connais, j'essaye pas forcément d'inviter des stars ou d'inviter des gens côté, etc. Mais j'essaie d'inventer des gens qui ont une histoire et quelque chose à partager, tu vois, dans le sens où... L'idée principale à chaque fois, c'est que les gens qui voient la vidéo puissent éventuellement se reconnaître dans le parcours de la personne que j'invite et pouvoir se dire que, ok, si cette personne l'a fait, je peux le faire. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo avec Valentina et pourquoi est-ce que cette vidéo me tenait à cœur? Tout simplement parce que Valentina, comme elle va nous l'expliquer, souffrait de TSA, donc principalement de boulimie et de quoi d'autre? Ben, ça allait même jusqu'à l'anorexie mentale, au point de ne plus manger même à un moment donné. Donc en fait, c'est un peu un ascenseur... Voilà. En fait, moi, j'ai vécu des choses pas faciles plus jeune. Donc, quand je dis ça, ça date d'il y a 10 ans maintenant. Si aujourd'hui, j'arrive à faire cette vidéo, c'est parce que bah, justement, aujourd'hui, je suis épanouie et on en reviendra, comme on a dit, on va pas parler de la fin maintenant. ça nous tient à cœur de faire cette vidéo ensemble pour, en fait, que vous puissiez vous rendre compte que on peut avoir des TCA et s'en sortir, déjà. J'ai eu des crises de boulimie pendant 1-2 ans, bien 2 bonnes années. Et évidemment, quand on souffre de ce genre de choses, c'est votre entourage ne le voit pas, ne le sait pas, et c'est des choses que vous faites en cachette souvent. J'ai vécu très tôt seule. Donc en fait, moi, j'étais vraiment, voilà, j'étais indépendante à 17 ans. Donc à 18-19 ans, je suis tombée dans cette boulimie suite à des choses très très graves qui me sont arrivées dans ma vie de jeune femme. Chose que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. À aucune femme, d'ailleurs. Aucune femme devrait vivre ce genre de choses qui a pu m'arriver. Et en fait, vraiment, je suis un peu émue quand même de faire cette vidéo parce que c'est pas facile pour moi, parce que ça me remémore plein de choses. On va pas rentrer dans les détails parce que quand on dit qu'il m'est arrivé des choses très très graves, je sais qu'il y a plein de femmes qui vont se demander qu'est-ce que ça a pu être. Ce genre de choses, si vous voulez, celles qui ont vraiment des gros problèmes dans leur vie, on pourra en parler en privé si vous voulez, vous venir vers moi, il y a pas de souci. Je suis ouverte à ça, mais là c'est vrai que le but n'est pas de vous raconter ma vie en détail de cette vidéo, c'est juste de vous expliquer que j'ai pu passer par ça et que aujourd'hui vraiment je vais mieux. La boulimie, comment vous pouvez vous dire je souffre de TCA? C'est vraiment c'est pas de la faim qu'on a, c'est juste que quand il t'arrive des choses, tu crois que la nourriture va te soulager. Okay. Clairement, sur le moment, en fait, tu manges tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens que tu manges. À cette période-là, d'ailleurs, je faisais même pas mes courses parce que je vivais au-dessus d'une boulangerie et en face d'un centre commercial. Donc en fait, c'était au jour le jour. J'allais me chercher tout ce que je voulais bouffer sur le moment. En fait, donc ça a encore plus accentué mes crises parce que j'allais passer d'une baguette de pain entière avec du beurre et du Nutella, chose horrible et inutile, d'un coup un paquet de chips à 8h du matin. Enfin, c'est des choses incontrôlables. Donc ça peut durer longtemps si vous en rendez pas compte déjà, parce que déjà à ce moment-là je me disais pas que j'étais boulimique, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs boulimies. Il y a des boulimiques qui vont se faire vomir et il y a la boulimie non vomitive. Moi je me faisais pas vomir parce que déjà j'ai la phobie de ça, mais du coup je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était un trouble du comportement en fait de faire ce que je faisais. Donc déjà, ce que je conseille, c'est que quand tu fais des choses, quand tu commences à avoir ce type d'attitude, c'est-à-dire avoir des envies, des pulsions alimentaires, des choses que tu, qui n'est pas normal au final, parce que faut savoir que
manger, en fait, c'est... On vit pas pour manger, on mange pour vivre. Donc on n'est pas censé avoir une relation malsaine avec la nourriture, penser qu'à la nourriture. Enfin, quand tu penses déjà à la nourriture, ou tu penses déjà à ce que tu vas manger après, ou t'es obsédé par la nourriture, déjà là, moi je pars du principe qu'il y a déjà un problème en fait, tel qu'il soit. Voilà. Donc ça c'était à combien de temps? Donc ça c'était il y a 10, ouais, 9, 8 ans. D'accord, et ça du coup pendant combien de temps est-ce que tu l'as vécu? Allez, 2 ans. 2 ans? Bien 2 ans, ouais. D'accord. Donc du coup, quel a été ton déclic pour te dire, ouais, vas-y, faut que ça change? Forcément, vu que moi je faisais de la boulimie non vomitive, j'étais un petit peu enveloppée. J'ai jamais été quelqu'un de très très forte. Ouais. Mais par contre, j'étais enveloppée, et je me rappellerai toujours que mon grand frère m'a dit quelque chose qui m'a choquée. Il m'a vu une fois au repas de famille, voilà, il me dit, mais... qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait gonfler par la levure de bière ou... il a été choqué en fait de me voir gonfler, enflé. Et en fait, je faisais pas forcément que du gras. Bien sûr que tu fais du gras, mais quand t'es enflé, tu sais que c'est de la rétention d'eau, parce que t'as bouffé de la mer, que t'as fait des excès, mais vraiment, voilà. Et là, je me suis dit, ok, tu vois, ça va pas, parce que lui, il me l'avait dit. À l'époque, je bossais aussi en boîte de nuit les week-ends, et un mec qui faisait du body d'ailleurs m'avait dit, aussi une phrase marquante, parce que parfois faut se dire qu'il y a quand même des gens qui vont marquer ta vie, même si en vrai c'est personne dans ta vie, ouais. Mais ils vont te lancer une phrase qui te fait tellement mal, parce qu'au final j'étais mal dans ma peau, j'empirais mon cas en mangeant, de toute façon j'allais pas m'en sortir comme ça. Et en fait il m'avait dit, c'est dommage parce que t'es mignonne, dommage que ton corps il est dégueulasse, quoi. Ah, chaud. Et en fait tu te prends ça dans la tronche et tu te dis, waouh. Ok, c'est pas cool, c'est pas sympa, enfin voilà. D'un côté, cette personne, je la remercie aujourd'hui, parce qu'il m'a secoué, quoi. Et il m'a montré plein de nanas hyper collées dans le fitness. J'étais à 10 km, à 10 000 lieues de tout ça, enfin voilà. Mmh. Et il me disait, moi je suis sûre que tu pourrais être comme ça, machin et tout. J'y connaissais rien du tout, je me disais, waouh, voilà. Et bon, voilà, je suis rentrée, j'ai fait ma petite vie, mais ça m'avait bien blessée. Je m'étais juste dit, c'est un sale con et basta, quoi. Et en fait ça m'a plus impacté que ce que ça aurait dû, au final, alors que c'est quelqu'un, un collègue de boulot, c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est pas quelqu'un de... ça aurait pas dû m'impacter comme ça. C'est là où tu te rends compte que t'es vraiment mal dans ta peau, parce que si quelqu'un de extérieur te fait du mal comme ça, avec juste une phrase, tu dis ok, bon, là c'est de toute façon moi-même, je vais pas bien, faut que je fasse quelque chose. Donc il m'a dit, vas-y, inscris-toi dans une salle de sport et tout, machin, tu verras. Et c'est là où je me suis inscrite en salle de sport et j'ai commencé vraiment... Alors là, à partir dans un autre extrême, parce que du coup, j'étais tellement bien dans la salle de sport que là, je me tapais parfois 2 heures de RPM d'affilée. Alors je commençais à m'intéresser à l'alimentation saine et je mangeais healthy, comme on dit, et je faisais des recettes un peu cool à la bonne fond. C'était clairement ça. On va pas se mentir, et je calculais pas tous les trucs qu'on entend aujourd'hui, calculer les calories, les machins, les trucs, ça, pas du tout. Je mangeais juste sainement, je me faisais plaisir, et voilà. Mais en fait je faisais énormément de sport, et là c'était quand même grave, parce que chose à ne pas faire, en 3 mois j'ai dû perdre de 12 kilos, et c'est vrai que là au sens inverse, j'ai plus pu m'arrêter. À un moment donné, où plus je commençais à me trouver bien, moins je m'alimentais. Ok. Pour pas citer des grandes influenceuses qui prônent de manger que de la salade verte et tout ça, je rêvais de les voir, quand je les voyais, je rêvais limite d'être elles, chose qui aujourd'hui c'est plus du tout mon objectif de base, quoi, ni de vie. Et en fait je pensais que voilà, comme ce qu'elle racontait, il fallait pas manger pour être bonne, quoi. Clairement. D'accord. Donc du coup ça, cette phase là a duré combien de temps? Cette phase là elle a duré pareil, bien 2 ans, où j'étais devenue maigre, et carrément je disais, je suis grosse, et je me pesais 4 fois par jour. Ok. Donc là je me pesais 4 fois par jour, donc le truc inutile, parce que pour ceux qui me connaissent déjà, je rappelle que je suis coach aussi maintenant, en sport et en nutrition, se peser 4 fois dans la journée, déjà se peser tous les jours, tout simplement, ça sert à rien. Mais là je me pesais 4 fois par jour, jusqu'à que mon ex du coup me confisque ma balance, parce que pour lui, j'étais devenue complètement folle, en fait. Et toi, à ce moment-là, tu sentais comment dans ta tête? À ce moment-là, je me disais qu'il avait raison, parce que
On pourra vous montrer des photos, mais j'étais devenue... Ok. Donc là, c'est l'inverse. T'avais la phobie de prendre... Ah ouais, là, en fait, je m'étais dit, tout ce que j'ai perdu, tout ça, je voudrais plus jamais le reprendre. Enfin, okay, c'est... Ouais. Là, t'étais à combien de kilos ce mois? Bah alors moi, approximativement, mon poids, ça va pas donner une image à tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je fais 76 kilos. Okay. Donc, pour 1m63. Donc, je sais que les gens, tout le temps, me disent, waouh, c'est pas possible, tu vas faire ce poids, on dirait pas, machin. Ouais. Quand j'étais toute maigrelette, justement, comme ça, je faisais 53 kilos. Okay. Qui, en soi, pour 1m63, c'est pas non plus ouf. Mais si je te montre une photo... Ça fait plus de 20 kilos en moins que là, c'est... Ouais, c'est alors ta transition, parce que moi après ce qui m'intéresse c'est le fait que t'aies fini sur scène. C'est quand même une belle victoire quand tu pars. De tout ça. Ouais. Alors il faut se dire que c'est pas chose simple. Ça veut dire que préparer une compétition, donc du coup, je vous avais dit, j'étais du coup à fond dans le sport. Okay. Et donc tout ça, voilà, ça c'était réglé entre guillemets. Pour moi, enfin, je pensais, la boulimie, tout ça, pour moi, c'était, c'était fermé. Donc, quand on vous a dit que j'avais la boulimie, j'avais 18-19 ans, quoi. Mmh. J'ai fait de la compétition, enfin, j'ai commencé mes compétitions il y a 3 ans et 3-4 ans. Et pour moi, j'étais déjà bien soignée, donc, de tout ça. Et je m'étais dit que j'allais prendre une revanche sur tout ce qui d'accord, m'était... D'accord, ton déclic pour faire la compète, c'est de te dire, ouais, je vais prendre une revanche. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui m'avait... Déjà, quelqu'un m'avait dit que, bah, du coup, j'étais plus maigrelette, j'étais juste... bien, je commençais à me réalimenter, j'étais bien, et on m'a dit mais pourquoi tu fais pas de la compétition, puis moi je me suis dit bon de la compète, je savais pas, même pas trop à quoi ça situait, enfin je savais même pas ce que c'était, donc j'ai commencé à me renseigner, c'est l'époque où je me suis mis donc sur Instagram, donc ça doit faire bah ouais 3 ans et demi hein, parce que ça fait pas longtemps que je suis sur Instagram, donc ouais, c'est 3 ans et demi. Et là j'ai commencé donc à regarder un peu tout ce que c'était, ces choses là quoi, je connaissais pas bah, les coachs en ligne etc, enfin je connaissais pas, du coup bah, j'avais eu mon premier coach. Et on avait fait ma compétition, mais c'était vraiment pour moi, c'était une compétition, c'était le Gymenco, quoi, c'est un grand prix à Saint-Chamond, et c'était vraiment pour moi une revanche et une expérience de tester mon mental encore plus loin, entre guillemets, pour voir vraiment de quoi j'étais capable, et bah, du coup, entre-temps, tout ce temps où j'ai fait de la musculation, un peu voir le fruit de mon travail en fait, clairement je voulais voir ce que ça peut donner parce que ok quand on fait de la muscu on est tanké ou pas mais ou pas, non c'est voilà c'est on est tanké ou pas et parfois on se rend pas compte d'un physique de scène sèche vraiment où là c'est vraiment ce qui te reste en masse musculaire. Donc du coup, ça, c'est super intéressant. Ouais. Moi, je trouve de savoir ce que vraiment t'as construit au final, de le voir, même si c'est malheureusement qu'un physique éphémère et que sur une seule journée, au final, c'est super intéressant de te dire toutes les fois où j'étais presque en train de gerber par terre, en train de chialer pendant mes séances jambes, ce qui me reste, tu vois. Donc voilà, c'était pour moi un challenge. Mmh. Et en fait, là, j'ai fait cette compétition, que d'ailleurs, j'ai remportée. Donc la première compétition que j'ai fait, j'avais remporté, donc c'était un grand grand moment de fierté. Ah oui. Parce que pour moi, je sortais de nulle part, personne ne me connaissait. Et je suis montée sur scène et en fait c'était magique parce que moi je savais pas ce qui se passait. Je savais même pas à l'époque, enfin j'avais pris des cours de posing parce que j'y connaissais rien tout ça. Et sur scène, ben il n'y avait pas de discussion en fait à avoir. C'est ça qui était fou. C'était que c'était moi quoi, qui allait gagner. Et tu t'en rends pas compte, quand ils disent ton nom, c'est ouf. Et pour là, moi, dans ma tête, j'avais tout gagné. Ouais. Ça veut dire que même si, pour certains, pour moi, il n'y a pas de petite ou de grande compétition. Pour moi, en fait, c'était juste, j'ai réussi, je l'ai fait. Et en plus de ça, j'ai gagné la médaille, c'est encore mieux. Ouais. Voir mon père pleurer et courir vers moi, c'était le plus beau moment de ma vie, en fait. Encore à l'heure actuelle, c'était de me dire, j'ai réussi. Enfin, tu vois, c'était magique, vraiment, c'était trop beau. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Bah après, j'avais... Sachant que là, déjà, t'es coach maintenant. Oui, voilà. Donc, en fait, j'ai plutôt laissé place à ma carrière, on va dire. Parce qu'avec tout ça, je me suis du coup trouvé une passion dans la nutrition. Okay. Et ça aussi, c'est ce qui m'a un peu aidé quand j'analysais la nutrition. C'était passionnant d'analyser tous ces aliments. Mmh. Et je m'en rendais déjà compte parce que c'est con à dire, mais quand je vais dans les grandes surfaces, je reste parfois 2 heures à faire mes courses. Mmh. Pas pour faire mes courses, j'analyse les aliments. Enfin, et là, je me suis dit, ok, soit t'as un problème, soit t'aimes vraiment trop ça, tu vois. Mais tu peux pas rester 2 heures dans un supermarché et te dire, voilà, c'est pas normal, tu vois. Bon, bah, stop. Valentina, comment est-ce que tu conclurais cette vidéo? Comment je conclurais cette vidéo? Eh bien, je conclurais que si elle vous a plu, il faudrait venir vous abonner à ma page.
Si vous êtes vraiment touché par des troubles du comportement alimentaire, que vous voulez en discuter avec moi en privé, vous pouvez venir parce que je suis quelqu'un de très accessible sur les réseaux, donc je réponds toujours à tout le monde sur Instagram. Et vraiment, si vous voulez même... Bon, moi, je suis dans la région d'Albi. Mais par contre, si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est hypnothérapie, sophrologie, énergéticienne, si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter. J'ai aussi des livres que j'ai lus par rapport à l'alimentation et le développement personnel, parce qu'au final, tout va ensemble. Donc tout ça, bah, je peux vous aider et vous conseiller avec plaisir. Bon, bah, c'était top. Donc du coup... Comme je te l'avais dit au début de la vidéo, j'essaie de faire en sorte de privilégier, tu vois, ce type de personnes. C'est-à-dire des gens ordinaires qui ont une extraordinaire. Tu vois, donc c'était un peu le but. Donc voilà, le but final de la vidéo, comme je l'ai dit au début, c'était de faire en sorte que des gens puissent s'identifier et se dire, bah du coup, si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la faire, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, la team, comme d'hab, pensez à faire pleuvoir les pouces bleus ou les pouces en bas si vous n'êtes pas content, mais faites-vous savoir. Pensez également à partager la vidéo et ceux qui ne sont pas encore abonnés, on vous regarde donc abonnez-vous. Moi la team, je vous dis à la prochaine, soyez sexy. Peace!